Énergie présente. Prenez place à bord du vaisseau Gullimag. On décolle tout de suite pour le sommaire avec d'abord... de chouettes attractions. Un nouveau skate. Une invention étonnante. Et une fête dans les musées. Ouais. Tous les ans, à la même époque, c'est le retour de la Foire du Trône. Rendez-vous sur la pelouse de Reuilly à Paris pour faire le plein de sensations. Alors Mathilde, t'es prête? Je vais tester les nouvelles attractions de la Foire du Trône, suivez-moi. Et on commence par quoi? Bienvenue à bord de la Grande Route de Paris. Vous êtes embarqué dans la plus grande route itinérante sur les fêtes foraines de France. C'est super stressant. Bah, c'est vrai que du haut de ses 65 mètres, elle est immense cette roue. Mais une fois au sommet, ça vaut le détour. Hein. La vue sur la capitale est magique. C'est très sympa, il n'y a pas des grandes sensations, mais on a pu admirer le paysage, c'est plutôt cool. Tiens, en parlant de sensations fortes, retrouvons Adrien et ses copains à bord du Starflyer. Salut Gullimag! Adrien, tu as droit à trois mots pour décrire ce manège, attention! Grand, intéressant et... sympathique. Oh bah moi je le trouve plutôt effrayant. Hein. Dans cette balançoire géante, on s'envole à 60 mètres de haut avec les pieds dans le vide. Impressionnant! Oh. Ouais! C'est quand même impressionnant assez. Oui, très impressionnant. D'abord, quand ça monte, on est un peu stressé de tout, voilà, d'attitude, mais après, c'est une question d'habitude et rien d'autre. 100% délire. D'autres manèges et attractions vous attendent ici jusqu'au 3 juin. Il y en a près de 3000 et des goubouilles. Amusez-vous bien et doucement sur les gaufres. Gaufres, gaufres, gaufres. Le vélo tout-terrain, on connaît déjà, mais savez-vous qu'il existe aussi le skate tout-terrain? C'est le mountain board, et voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu plus grand qu'un skate, avec des roues gonflables. Ça marche dans les champs, sur les plages de sable dur, etc. On a des pneus comme des pneus classiques, avec des chambres à air, qu'on gonfle plus ou moins en fonction des surfaces. Et ça roule à peu près partout, à la mer, à la montagne et aussi dans les skateparks. En fait, le mountain board, c'est un mélange de skate, de VTT et de snowboard. D'ailleurs, ce sont des snowboarders américains qui l'ont imaginé pour dévaler les pentes en toute saison. Aujourd'hui, cette drôle de planche est de plus en plus appréciée en France. Vous pouvez d'ailleurs faire des initiations dans les bases de loisirs partout en France. Et à partir de quel âge peut-on commencer, hein? Oh, bah dès qu'on a un petit peu d'équilibre et... pas trop petit quand même, mais je sais pas, à partir de 6, 7, 8 ans... Et avant de vous y mettre, n'oubliez pas l'indispensable casque, genouillère et un peu de courage quand même. Oula. Bon allez, bon ride. Ouais, merci, ouais, toi aussi, attention aux genoux, hein. Les voitures volantes, ça existe. Pour l'instant, ce n'est que la miniature, mais il faut un début à tout. Hein. Ça fonctionne grâce à la supraconductivité. Des aimants sont installés tout au long du circuit et dans les voitures. Et quand de l'électricité les traverse, ils se repoussent. Résultat, les petits véhicules se mettent à flotter. Il est ensuite possible de les télécommander pour faire la course. Ce sont des scientifiques de l'Institut des sciences et technologies du Japon qui ont créé ce circuit. Dans l'avenir, ils espèrent appliquer ce principe à tous les transports en commun. Oh, j'ai hâte de voir ça, moi. Oh, moi aussi, hein. La nuit européenne des musées, c'est samedi, partout en France, des monuments vous ouvrent leurs portes jusqu'à minuit. Et pour l'occasion, ils vont se faire tout beau. Jeux de lumière, chasse au trésor, concerts, ateliers, des tonnes d'animations sont offertes. À Romans, par exemple, vous pourrez visiter le musée international de la chaussure et ses belles illuminations. Et à Paris, le Louvre organise des visites ludiques. Et au Bourget, participez à des simulations de vol au musée de l'air et de l'espace. Ah, plus de 1200 organismes sont à découvrir près de chez vous. Mais ne vous couchez pas trop tard, hein, hein. Promis. Bon. Oui, oui, d'accord. Gulli, disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.